Bon bah bonsoir les amis, je vous fais une vidéo pas prévue, mais il y a de l'orage en Suisse, comme vous pouvez le voir. Et je viens de voir une éclair juste devant là-bas, donc ça y est, ça commence à rallumer. Donc je vous fais une petite vidéo pas prévue, mais ça y est, ça a bourgeonné en Suisse, il y a des orages là-bas. Je viens de voir une éclair, donc je vous fais une petite vidéo pas prévue. Voilà, bon, tout à l'heure aussi, il y a eu un gros nuage au haut de ma vallée qui a bourgeonné. J'ai cru que j'allais avoir un orage dans ma vallée, mais ça y est, ça vient de rallumer juste là-bas. Je sais pas si c'était un impact ou quoi, j'ai vu un flash, mais après j'ai pas bien vu parce que je regardais pas dans cette direction. Mais ça y est, ça rallume en Suisse, je voyais bien la grosse bande cuminiforme. Effectivement, j'ai un pote qui m'a envoyé sur Instagram dans un groupe communauté météo, qui m'a même montré qu'il y avait des orages du côté de Bâle. En tout cas, je savais quoi. Quand j'ai vu les gros nuages, du gros cumulonimbus, je me suis dit, tiens, j'ai vu que sur la chaîne météo il y avait des averses. J'ai dit, ça va péter quoi. Bon, en tout cas, il vient d'avoir une éclair juste là-bas. Là-bas, enfin, ça, je suis en train de vous filmer, voilà. Donc, comme vous pouvez voir. Tiens, là-bas aussi, au bout, il y a aussi quelques nuages un petit peu là-bas, mais là-bas, c'est pas vraiment orageux. Mais en tout cas, voilà, je vous fais cette petite vidéo. Voilà, bon. Mon téléphone est quasiment vide, je vous fais cette petite vidéo. Voilà. Donc, je sais pas si on verra des éclairs, voilà, parce que là, les orages sont assez loin. Et comme il fait encore jour, on voit pas super bien les éclairs. Donc, je sais pas si on verra une éclair, mais en tout cas, franchement, très sympa, quoi. Franchement, c'est début d'année 2022, je suis gâté. Franchement, putain, le nombre de situations orageuses que j'ai déjà eues. On est seulement début mai, franchement, si ça continue comme ça, pour cet été 2022, ça promet quoi, franchement. Et encore, j'ai des risques d'orage, dans la nuit de mercredi à jeudi, et j'ai peut-être encore des risques d'orage jeudi et vendredi chez moi, donc certainement encore des vidéos à venir en fin de semaine. Par contre, le seul problème, c'est que dans la nuit du mercredi à jeudi, ça m'arrange pas. Parce que mercredi matin, j'ai un rendez-vous à 9h30, donc je vais devoir me lever entre 8h et 8h30, donc s'il y a d'orage à 1h, 1h30, je serai dans la merde, voilà. Je vais me débrouiller, ou sinon, au pire, je me couche à 8h du matin, je me réveille, je me couche à 8h du soir, je me réveille à minuit, de minuit à 2h ou 3h du matin, je suis réveillé, et puis je dors de 3h à 8h, quoi. Mais bon. Ah, c'est bizarre, j'ai vu une éclair devant, et puis maintenant, plus rien. Voilà. J'ai vu un flash devant, et puis bah, depuis, plus rien. Bon. Moi, je pense pas que les orages aient terminé. En tout cas, ça bourgeonne bien, hein. Il y a des gros bourgeonnements nuageux. J'ai arrêté de parler parce qu'il y a une voisine qui regardait, mais en tout cas j'ai vu une belle éclair. Enfin j'ai vu le flash parce que je regardais pas forcément tellement là-bas, mais il y a eu un beau flash. Donc bon, je vais continuer de surveiller, j'ai chargé mon téléphone, et si jamais les orages c'est plus intéressant après, ou qu'on voit mieux les éclairs, ou que c'est plus intéressant après, je vous referai une vidéo, puisque là on voit pas trop intéressant. En fait, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est-à-dire que, en fait, là il fait jour, donc comme il fait encore bien jour chez moi, bah, on verrait mieux les éclairs dans la nuit. Et comme le jour est encore bien présent chez moi, bah, on a du mal à voir les éclairs, parce que les orages sont pas très loin de chez moi, mais comme ils sont quand même, je pense, les orages c'est peut-être à 60-70 km, donc quand même des orages à peut-être 60, 70, 80 km de chez moi, bah, du coup, bah, on vois pas trop les éclairs parce qu'il fait encore jour chez moi. En fait, il fait encore trop jour pour voir les éclairs, malheureusement. C'est-à-dire que la luminosité de la journée est encore trop présente pour qu'on voie les éclairs. Donc, comme ça va baisser dans les prochaines minutes, on risque de mieux voir après quoi. Donc, bah écoutez, les gars, je vais m'arrêter là et puis bah, je vous ferai certainement une vidéo après. Là, faut que je charge mon téléphone et je vous ferai certainement une vidéo après. Voilà.